circonstance. Je suis votre avocate, mais je ne sais pas comment je vais vous défendre. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail, donc voilà, ça se plaide, le harcèlement. Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement. Vous avez appelé votre ancien patron 1985 fois et vous avez dormi à plusieurs reprises sur son palier, il y a des témoins. Voilà, je t'appelle parce que je vais revenir dans la région. Est-ce que tu crois qu'à l'agence, il y aura du travail pour moi? Vous habitez là-bas? Non, je viens voir ma mère. C'est quoi ces conneries? Dis-moi pourquoi t'es revenu. J'ai plus d'appart. Là, j'ai plus que le RSA. Je comprends pas comment t'hésites encore. Je suis la personne idéale pour ce poste. Tu sais que j'ai déjà trouvé quelqu'un. Bonjour, monsieur Collet. Bonjour, Audrey. C'est une connerie d'avoir engagé cette fille, elle connaît rien. J'ai vu un appartement à louer. Je voudrais savoir si c'est possible de le visiter. Je vous donne ma carte. Pourquoi tu souris? C'est marrant de vous voir ici. Moi, à votre âge, j'aurais que d'une chose, c'est de partir. Agent immobilier ici, vous pouvez faire ça toute votre vie. T'es pas clair, Constance. Laisse-la tranquille. C'est quoi le problème avec la petite? Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur? Je peux pas revenir en arrière.